مرحبا بكم. دونك الفيديو القصير هذايا لاحظت كون لا بليبار دي زيلاف تروزيام اني سيونس اكسبيريمونتال، تروزيام اني مات باك سيونس اكسبيريمونتال باك مات، ماهمش قادرين باش يفرقوا ما بين اون سيلول ديبلويد اي اون سيلول ابلويد. كل ما نطرح السؤال اون سيلول ديبلويد لي زيلاف دونك مي ديز كو سي اون سيلول ا دو زين كروموزوم بور لا سيلول ديبلويد et à un chromosome pour la cellule haploïde. C'est mais maintenant, je vais vous expliquer. Je vous propose donc, un examen de bac proposé par Sciences expérimentales à Tunis. Donc, vous allez voir que vous allez faire une cellule diploïde et une cellule haploïde. Donc, je rappelle, donc, vous observez bien, les organites cellulaires, ce sont des chromosomes, et chaque chromosome en est formé par deux chromatides reliés par un centromère. Donc, cette chromosome-là, c'est une chromosome à deux chromatides, et la même ici, ou bien le même ici, chromosome, donc, il est formé par un seul chromatide. Mais je vais faire comme une donc, évitez la notion de gène et N. Donc, une cellule diploïde, comme vous observez bien ici, combien de chromosomes? Vous avez quatre chromosomes. Comment sont les quatre chromosomes? Ils sont répartis deux à deux. Donc, vous avez le premier paire, deuxième paire de chromosomes. Donc, combien de paires de chromosomes? Vous avez deux paires de chromosomes. Donc, quatre chromosomes répartis en deux paires. Vous observez bien ici, je reprends ici, donc chaque chromosome présente son homologue. Et le chromosome Hedi Ochtehedi. La même taille, la même forme et la même position de centromère. Le chromosome Hedi, l'homologue Mteha Ochte, la même taille, la même forme et la même position de son centromère. Par conséquent, si vous observez ici, donc, un chromosome a deux chromatides reliés par un centromère, mais l'ANA, est-ce que le chromosome Hedi présente son homologue? Non. Andheshi Ochte, neuf cette taille, neuf cette forme, neuf cette chèque, l'ANA. Donc, observez bien le même chromosome ici, de petite taille par rapport à cette chromosome. Donc, les chromosomes LNA ne se présentent pas par pair. Chaque chromosome, il y a un seul exemplaire. Quel chromosome a un exemplaire ouah. Par conséquent, ici, les chromosomes LNA ont deux exemplaires. Qui me sabat en d'un psou? Zouzfrit. LNA ferdawat. LNA ferdawat. De taille différente. La même chose ici, vous observez ici que chaque chromatide ou bien chaque chromosome présente son homologue. Et ici aussi, donc chaque chromatide présente son homologue. Par conséquent, on figure C là, le chromosome à gauche n'est pas l'homologue du chromosome à droite. Donc on va essayer de résumer. Donc, une cellule diploïde, c'est une cellule à 2N chromosomes. Oui, 2N, le cas petit à 2N égale 4. Est-ce qu'on peut écrire ici 2N? Non. Donc, chaque chromosome a un seul exemplaire. Donc, on a N égale 2 chromosomes. Ici, N égale 2 chromosomes. Ici, combien de chromosomes vous avez? Simple, oui, avec un seul chromatide. Chromatide à wahda moujouda, mais par paire, 2N égale 4. Donc, lesquelles des cellules, ou bien laquelle des cellules qui sont diploïdes? Donc, vous avez la figure A et la figure D, les chromosomes par paire. Par paire, vous savez ici les paires. Donc A et D sont des cellules diploïdes, tout simplement car chaque chromosome se présente en deux exemplaires. En deux exemplaires. Vous observez bien ici les deux exemples. Par conséquent, pour les figures B et C, vous remarquez que chaque chromosome existe en un seul exemplaire. Nawaïa wahd, man de short. Donc B et C sont des cellules haploïdes. Donc évitez, conseil, évitez. Lorsqu'on vous demande qu'est-ce qu'une cellule diploïde, donc par définition, une cellule diploïde, c'est une cellule où les chromosomes sont répartis par paire et chaque chromosome présente son homologue. Une cellule haploïde, c'est une cellule qui, où les chromosomes se présentent en un seul et exemplaire. Merci bien.